Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. On va continuer notre petite survie. Alors on va devoir faire un tri sur ce qu'on récupère, ce qu'on garde en fait surtout. On a encore 2 heures de feu, on pourrait dormir encore un peu. Alors la dernière fois on s'est retrouvé ici, un peu perdu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois qu'on se perd. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, alors théoriquement, en théorie, on va rentrer au lac Mystère, tout simplement. On va tout simplement rentrer au lac Mystère. Donc nous, on est là. On va faire ce côté-là. Ce côté-là, il y a des caches. Il y a potentiellement des caches qu'on peut trouver. Mais après, on va devoir sûrement remonter à la colline, puis après remonter aux grottes et tout ça. Et on rentrera, du coup, au lac Mystère et on ira chercher, du coup, notre batterie. Mais ouais, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, on avait récupéré pas mal de choses la dernière fois. Enfin, on avait trouvé pas mal de choses. Il y a tous ces bouts de bois là que je voudrais bien. Je voudrais bien en fait rentrer. Il y a même ça aussi que je voudrais rentrer. Le problème, c'est qu'on va être assez lourd. Ces bottes, à la limite, ce qu'on peut faire, on peut les recycler. Ouais, mais c'est 1h30 pour les recycler. Aïe, aïe, aïe. Si je prends tout, genre ça, on le prend. Le lapin, non. Le jerrycan, il fait quoi? 3 litres. Ouais, 1 kilo. Ça, à la limite, on s'en fout. Il y a la lampe. Là, on est à 44. On prend ça. Ça nous fait 3 kilos de plus. Il y a tous les bois. Parce que les laisser là, ça sert un peu à rien. Donc autant les ramener avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? On est à 46. Ouais, ça va. On est en dessous des 50 à la limite. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ça peut passer. Ça peut passer. Ok, il nous reste encore 58 minutes, c'est très bien. Alors, donc, on est... Ouais, ok, notre temps est mieux. Est-ce qu'il fait très froid déjà? Non, il fait pas trop froid. Non, je vais voir. Qu'est-ce qu'on fait cuire? Faire ça, c'est vrai que j'en avais fait un supplémentaire parce que... Ah, qu'est-ce que j'aime pas ce menu. Non, c'est pas ça. Ça. Et après... Ça. Ok, on est bon. Ce menu, alors. Aïe, aïe, aïe. Donc, ramasser. Ok, on est bon. On a le jerrycan et tout, hein. Et on est à 48, 49 kilos. C'est beaucoup, mais bon. C'est pas grave. On va devoir faire ça. Ça. Alors. Hop. Ok, bingo. Ouais. On est bon. Ah, torche aussi. Oui, torche, pourquoi pas. Alors, on a plusieurs endroits. Où on va chercher le loup qui nous a piqué notre flèche la dernière fois. Si vous vous rappelez. Mais franchement, j'ai pas vraiment envie de me balader. Alors, c'est vrai qu'il y avait plein de champignons aussi à récupérer de ce côté-là. Ouais, ça m'embête. Ah, ça m'embête. J'aimerais bien récupérer tout plein de champignons. Mais bon, c'est pas trop grave. On est déjà bien plein. On n'a pas trop le temps. Pas grave. Donc où on va chercher le loup, qui est pas vraiment intéressant. Où on va de ce côté-là, parce que je pense... Ah oui, des gens m'ont indiqué que je suis plus ou moins sur le bon chemin et que je suis passé par les bons chemins, en fait. On m'a dit ça via Discord et tout ça. Pour les cachettes, en fait. Mais ouais, il y a
C'est quasiment zéro chance d'en trouver en fait. C'est bien ce que je pensais de toute façon. C'est vraiment bien ce que je pensais. J'aimerais bien ouais, récupérer vraiment plein de champignons. De toute façon, ça, c'est quand le travois existera, s'il sort un jour. On essaiera le travois. On fera... On récupérera plein de champignons, plein de baies, tout ça. Ça sera marrant. En tout cas, donc là, on m'avait dit qu'il y a une grotte pas très loin. Parce que la dernière fois, j'avais dit... ouais, on dirait qu'il y a des grottes, là, vu la structure et tout ça. Et j'avais pas tort, c'est là ou pas? Non, peut-être pas. Je ne sais rien. Bon, faut faire gaffe. Y a... non. Putain, il m'a fait peur ce con. Lapin. Ouais, ok, on a trouvé la grotte. Strictement rien. Strictement rien. Alors, on va continuer. Il n'y a pas de cadavre, rien. Pas de carcasse, que dalle. Est-ce qu'on fait brûler une autre torche? J'en sais rien, honnêtement. Je préfère les garder, mes torches. Donc là, on m'a dit, normalement, près de la grotte, c'est possible d'avoir une... possible d'avoir... une cache. Alors, je sais pas si la cache, elle est... techniquement, genre par là ou par là-haut. Mais bon, non, mais y a rien. Y a rien, ouais. Ça m'aurait étonné aussi, hein. Ça m'aurait étonné. Est-ce qu'on peut aller là? Non. Normalement, c'est des trappes de bunker. Hein. Je crois bien les caches. Hein. C'est que ça, hein, tout le temps. C'est comme la cache, bah, celle qui est avant, avant le Mont Timberwolf. Après, en théorie, vu que nous, on en a une, Mont Timberwolf, genre celle-là, elle est à 100%, donc peut-être que les autres apparaissent pas, tout simplement. Oh non, par où je passe? Oh putain. Ah! Fais chier. On va devoir faire le tour, le vent se lève, yes! Alors après on m'a dit qu'il faut que je redescende près de l'eau. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Enfin c'est ce que j'ai essayé de faire là maintenant. Apparemment c'est compliqué. Et après tout le long il devrait potentiellement avoir des caches aussi. Donc on va voir ça. Ah, il y a du vent. Mauvais signe. Ouh, très mauvais signe. Faut passer la cascade. Il y a encore des bois là-bas, je vois. Oh,
Donc là, on a une cascade. Donc ouais, on va faire ça tranquillement. Comme j'avais dit la dernière fois, j'avais expliqué. On va faire le tour de ce qui nous reste en fait de la vallée charmante, les extrémités, parce que c'est vrai que je les ai jamais vraiment faites. Et après, on va tout simplement rentrer. Alors, je sais pas si c'est un endroit à... Un endroit à bunker, ça, j'en sais rien. Bah, en tout cas, il n'y a rien. Peut-être. Ah, par contre, le fait qu'on soit lourd plus le vent, j'avoue que ça va poser un problème. Ça va légèrement poser un problème. Après, normalement, on n'est plus trop loin, je crois, de notre de la tour et tout ça. Enfin, on peut même aller bifurquer sur la gauche. Si on va sur la gauche, on va à la ferme, en fait. Donc, bon. On peut faire ça aussi. Encore heureux qu'on a le buff de la chaleur, là, parce que... J'avoue qu'il fait froid. Donc, après, on m'a dit... Toujours sur le côté droit de la rivière, on a peut-être une chance de trouver des trucs, mais bon. Vu que je les ai jamais vus moi-même, c'est un peu compliqué de savoir où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce qu'il faut que je monte? On a froid. On a du bois sur nous. Je suis en train de me demander est-ce qu'on a du bois sur nous pour faire du feu. Alors, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi cette pile de neige là? What? Il y a un truc en dessous. Je peux pas y accéder. What? Parce que il y a le point qui s'affiche en fait. C'est quoi cette merde? Faut que je fasse fondre. Allez, sinon ça m'aurait dit gelé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, si jamais vous savez ce que c'est ça, vous me le dites, hein, parce que là... C'est quoi? C'est genre, il y a une trappe en dessous et il faut faire fondre la neige? Ça serait... Ah, mais j'ai pas de bois. Ouais, j'ai pas de bois. Ça me semblerait bizarre parce que... Ah, ça me semblerait bizarre quand même. Genre, les carcasses, il y a écrit... Vous savez, il y a écrit gelé, il y a un pourcentage et tout ça. Là, il y a strictement rien, en fait. Après... Quand je dis c'est, il y a peut-être la neige et il faut genre la déblayer ou la faire fondre... Pour moi, ça serait logique, hein. Ça serait logique. Mais bon, après, est-ce que Interland pense à des trucs comme ça? Je sais pas. Parce que je trouverais ça super bien, en fait, comme stratégie, enfin, comme mécanique. Je trouverais ça super intéressant comme mécanique, personnellement. Mais bon. Ah, je suis dégoûté là, j'étais...
pas entendre un truc. Je suis dégoûté là, j'étais content. Oh, crotte. On va aller se mettre à l'abri. C'est quoi ça? Y'a un truc dedans? Ah non, putain. Ouh, c'est une grotte d'un ours, ça. Ah, ok. C'est une grotte d'un ours. Alors... Parce que si j'ai du mal moi-même à me positionner, c'est-à-dire que l'ours, ça va être encore pire pour lui. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous avez du mal à vous mettre sur un rebord et tout ça, sur des cailloux et tout, faut dire que les animaux, ça va être encore pire pour eux. Donc en théorie, vous êtes à l'abri. Ok, on peut se reposer un peu là. Par contre, on a vraiment couru, on est vraiment fatigué, ça c'est un peu embêtant. Ouais, ça c'est un peu embêtant. Ah, vous voyez, on est là. Ah, je suis tellement dégoûté là, le... La neige, j'ai envie de faire une pause, genre d'aller sur Google genre, et regarder si si les abris peuvent être recouverts de neige, quoi. Oh non. Est-ce que je suis en train de taper sur mon téléphone, genre poser la question? Oui. Oui, je suis en train de le faire au moment où je vous parle, j'avoue. En tout cas, je pense dormir. On va dormir genre une heure ou deux heures. On va se mettre... Est-ce qu'on peut le mettre là? Non. Ah. Je peux me mettre comme ça. Genre sécurité au max. Non, on peut pas. C'est trop. On peut dormir deux petites heures, je dirais. Bon, j'avoue que je trouve pas d'informations sur ça. Allez, on se casse. Je trouve pas d'informations sur ce que je me disais par rapport à la cage qui peut être recouverte de neige. Bon, s'il y a des os, c'est possible qu'il y ait un ours, hein, donc faut faire gaffe. On a récupéré le... Ah, j'avoue être déçu là. Bon, on va devoir rentrer. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai vu du coin de l'œil un truc à côté de l'arbre. Genre bien noir, genre bien un bloc noir. J'ai dit, ça c'est pas un caillou, c'est pas un truc. Ça va. C'est pas de la décoration, quoi.
C'est quelque chose avec des crocs. Bon, s'il y a des loups, ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas d'ours. Déjà. Parce que les deux s'aiment pas. Oh non. Le vent qui me bloque. Là, on arrive à une route. On va voir si on peut trouver une voiture qui traîne. Et du coup, la tour, elle est là-haut, je crois. Ah oui, mais on était passé là. Ah, mais s'il y a une voiture, on l'a déjà faite. Quasiment certain qu'on l'a déjà faite. Ouais, on était monté là, je crois. Je me rappelle, je m'étais pété une jambe aussi. Par contre, la voiture, elle est où? Attends, nous, pour rentrer, on doit aller là-haut. Hein. Donc, je vais faire... Ah, mais c'est pas un cul-de-sac, là-bas? Oui, oui, si, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Alors, la voiture... Ah, la voiture, elle est là. Ok, ça marche. Grand virage, lieu, nouveau lieu. Ah, on l'avait pas vu? On l'avait pas visité? Ah, peut-être qu'on l'avait pas fait. Ah, ça m'arrive souvent, hein, de... Non, elle est pas... Ou alors, c'est nouveau. Pourquoi c'est rouge? Entre les saisons, des fois, j'avoue que... Hein, je me dis, ah tiens, je suis déjà allé là. Oui, techniquement, oui, mais dans d'autres saisons, en fait. Non, bon, on l'avait pas fait, c'est marrant. C'est ça, ok. Alors là, alors, attention, attention. Ta-da-da-da. Oh, super. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ça va où, là? C'est pas une nouvelle zone qui avait été rajoutée? Je m'en rappelle plus. Ah, possible. Quitter la vallée charmante. Où est-ce qu'on est? Col du gardien. Ah, oui! Ça, c'est des zones qui ont été rajoutées, en plus, assez récemment. Je m'en rappelle de ça. J'étais passé pas mal de temps là-dedans. Je l'ai trouvé sympa. C'est des petites zones, je crois. C'est des petites zones. Bon, on va se... Ouais, mais on va pas les faire maintenant. On va pas les faire. Honnêtement, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est lié à BlackRock. Je me rappelle plus. C'est quoi ça, le caillou? Ah, cadavre. T'as pas une batterie sur toi? Non. Ah, elle est à 100%, on va la prendre. Allez, on y va. Parce que là, on va un peu geler. On va prendre cher en dégâts. Je dois dire que je me rappelle plus vraiment à quoi elles sont liées, ces zones-là. Je crois que c'est BlackRock. Faudrait que je regarde la carte. Parce que je me rappelle que à l'époque où ils avaient... C'était la saison, je sais plus. Genre il y a 2 ans, peut-être. Où ils avaient rajouté BlackRock. J'avais fait bon, un long moment à la prison, et tout ça. Parce qu'elle est grande quand même. Mais après, il n'y avait pas que ça. Je sais qu'il y avait d'autres petites zones. Les gens m'avaient dit, oui, mais si tu vas là-bas, il y a d'autres petites zones et tout ça. Et ils m'avaient dit, mais c'est des nouvelles zones, hein, faut que tu y ailles et tout. Et je fais, ah bon, je ne savais pas. Et j'y vais, et je crois qu'il y a 2 zones comme ça, en fait, en parallèle, côte à côte.
Elles sont toutes petites, mais il y a quelques petits trucs sympas. Il y a des bâtiments, il y a des... Il y a des cordes à prendre, il y a une rivière et tout. Honnêtement, c'est limite, je m'étais plus amusé là-dedans qu'à Black Rock soi-même, quoi. Donc ouais. Donc ouais, je crois que ça, c'est... Avant, à l'époque, c'était bloqué. Et quand ils ont rajouté toutes les petites zones là en plus, là, bah, ça a été débloqué en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Comme j'ai dit, hein, je voudrais vraiment pouvoir faire de la... Toute cette découverte, en fait, enfin pas cette découverte, mais aller dans les nouvelles zones avec des nouveaux objets, ça serait vraiment bien pour moi. Pour éviter de d'avoir toujours l'impression de refaire exactement les mêmes choses. Donc ouais, on verra. Mais bon, pour l'instant, on a un objectif. C'est rétablir les antennes, c'est le plus important. Est-ce qu'on fait une escale à la tour ou pas? Histoire de se réchauffer et tout ça. Je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense qu'à partir de notre endroit entre la tour ou alors la grotte pour rentrer, je crois que c'est l'équivalent. On est en plein milieu en fait des deux. Donc on peut tout simplement partir. Ah, je suis déçu, là, pour le bloc de neige, là. Oh là là. Si jamais c'est ça, le fait qu'il faut genre faire du feu pour faire fondre la neige, ou s'il y a vraiment une mécanique quelque part, ce qu'on fera, on y retournera un jour. Je le mettrai de côté. Je le noterai de côté, on le fera. C'est comme l'aéroport, on m'a expliqué où était pour la... Pour la photo. En plus, j'étais très proche. Vous savez, le Polaroid. J'étais très proche de l'endroit, apparemment, on m'a dit. Donc, j'aurais pu techniquement le faire. Mais je tournais un peu en rond, donc je suis parti, en fait, avant. Mais ouais. Ah, je crois qu'il y a une grotte, là. Ouais, il y a une grotte. Mais ouais, mais ça aussi, on le refera plus tard. Enfin, on le refera quand on y retournera. Comme j'ai dit, hein, l'aéroport, j'y retournerai pas avant le travois et les trucs. Hein. Là, il nous faut absolument des choses pour l'aéroport, parce que... Hein... C'était trop, trop chiant. Faut qu'on se repose et qu'on dorme, par contre. Que je régène ma vie, là. Après, j'ai envie de dire, quand on sera rentré, Je ferai passer quelques jours le temps de me remettre full vie. Il y a une grotte ou pas au final? Oui, il y a une grotte. Je pense que je peux utiliser ça. Ok. Ça sert à rien de faire du feu. Ça sert à rien de faire du feu. Ça nous baissera notre poids. Là, on est à plus de 50 kilos. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ces bottes là, parce que c'est vrai que ça fait un kilo. Je pourrais toutes les déchirer là. Ouais, un peu.
Ça nous fait passer un peu de temps et puis on pourra dormir. Oups. J'ai appuyé sur l'overlay de Steam, désolé. Ça. Ça, je le garde, encore une fois, c'est pour monter de niveau, mais ça nous sert techniquement à rien, nous, hein, mais c'est... C'est vraiment... voilà, quoi. Jerrycan, ça, c'est une bonne trouvaille, j'avoue. Ça, c'est une très, très bonne trouvaille. Ça, jeter. Ça aussi. Histoire que ça sèche. Je vois pas pourquoi la musique s'est arrêtée comme ça d'un coup, ça fait un peu peur. On va dormir. 6 heures. J'aurais dû peut-être un peu boire un peu plus. Ok. On est nickel, on peut même finir la nuit ici, honnêtement. Il n'y a pas de problème. Quand on connaît les endroits, ça va. Toujours l'arc à la main au cas où. Il fait presque jour, nickel. On aura quasiment fini toute notre eau. Donc ça c'est parfait. On a encore assez de calories. Ça va, on peut tenir. Il n'y a pas de problème non plus. Nos vêtements sont bons. On a du bois. Fabrication de munitions. Ah, trop sombre. Est-ce que je peux crafter des choses en attendant ? Oui. Ok. Il y a l'air d'avoir du brouillard un peu. On va lire. On va voir un peu. Ça n'a pas l'air top top, mais... Ouh, fait froid. On va pas... J'ai pas envie de sortir avec cette purée, là. Normalement, on est très très proche de la grotte pour partir. Hein. Je vais être franc, on est extrêmement proche. Mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie qu'on sorte dans une purée. Parce que si on se perd et que je tourne en rond comme un idiot, c'est pas trop mon kiff en fait. Après, si on reste trop ici, je vais devoir taper dans mes réserves de nourriture aussi. Ah là là! Je suis pas trop confiant. Bon, la grotte est derrière moi. Non, mais non. C'est pas grave, on va rentrer. Non, on va attendre que ça... qu'on ait un peu plus de visibilité. Non. J'ai eu de trop mauvaises... trop mauvaises surprises, en fait. À sortir dans une purée comme ça. J'ai des très mauvaises expériences de faire ça. Donc non. On lit un livre qui sert à rien, mais ça augmente les habilités. Ça me plaît. Ok, là on est bon. Ouais, là c'est mieux. Un loup. Parce que c'est pas exactement là, je crois que c'est plus là ou là, enfin quelque chose comme ça. La grotte où on veut aller, nous, pour partir. Enfin, je sais plus exactement.
J'ai un doute. Non, si, ça doit être de ce côté-là. Si, si, c'est exact. C'est ce côté-là, je crois. Faudrait qu'on monte, là. Qu'on soit pas en bas d'une des collines, parce que c'est très dangereux. Ça va, on a récupéré pas mal de vie. J'avais pas regardé aussi, donc c'est pas mal. J'ai bien mon sac de couchage et tout. J'ai les bois aussi. Okay. Ça, c'est bien. On va tout laisser au... Il y a beaucoup de corbeaux là-haut. On va laisser tous ces bois là, au lac Mystère. Ça nous fait énormément de flèches, énormément de... d'arc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ok, ça c'est la grotte. Est-ce qu'on l'avait visitée, celle-là? Ouais, ok, c'est pas nouveau. Ouais, celle-là, on peut dormir. Okay. Donc c'est à droite, nous, on doit aller à droite. Ok, là-bas, il y a un cadavre. Par contre, dans la vallée charmante, il n'y a pas d'arbres à gland. Hein. Il n'y en a pas du tout. Hein. On a vu, bien sûr, dans la nouvelle zone, ça, évidemment, c'est logique. On en a vu au lac Mystère, donc ce qui est cool. Après, je me rappelle plus si on en a vu autre part. Après, au final, le fait d'avoir fait ces... c'est quoi, les deux derniers épisodes, là, à se balader dans la vallée charmante, j'avoue que c'est pas une mauvaise chose, hein. On a quand même récupéré pas mal de trucs et tout ça. Hein. Donc, enfin, à chaque fois, par contre, je me... Oh, la vache, ok. À chaque fois, je me perds. C'est par où qu'on repart? Là? C'est là? Je crois que c'est là. C'est ça, là? Cette grotte-là? Je crois que c'est en haut. Oui, non, c'est en haut. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est pas perdu, hein, on n'a rien perdu. Hein. À la limite, quoi, on a utilisé deux allumettes, je crois. Et c'est à peu près tout. Hein. On a utilisé deux allumettes, on a récupéré plein de bois donc pour faire... des flèches, des arcs, on a récupéré un jerrycan, c'est pas mal, on a récupéré... Après on n'a pas récupéré les choses les plus importantes, genre vous savez les pierres aiguisées, tout ça. Ça c'est des choses qu'on avait déjà trouvées et que j'ai pris. Donc on n'a pas fait de trouvailles... On n'a pas fait de super trouvailles, ça je suis d'accord. Mais... Ça va. Ça va. Ça aurait pu être nettement pire. Hein. Ça aurait pu être nettement pire. Donc c'est pas trop grave. Alors là par contre on doit manger. Alors on avait dit quoi? On avait dit qu'on mangerait ça. Ah oui, il nous faut. Donc oui, c'est plutôt une aventure potable, on va dire. C'est pas de la perte. Parce que pour survivre longtemps, il faut se dire ça aussi. Est-ce que genre aller à tel endroit, tel ou tel endroit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que on va récupérer des objets? Est-ce que je vais pas genre
complètement, je sais pas, gâcher ma réserve de nourriture en faisant ça, ou les trucs comme ça. Après, la nourriture, honnêtement, maintenant, c'est facile parce qu'on chasse. Mais imaginons... voilà, est-ce que c'est pas se mettre à risque de se faire attaquer, puis après, genre, on se fait déchirer les vêtements, par exemple. Et là, du coup, on serait complètement dans la merde, parce que les vêtements sont genre uniques, ou des trucs comme ça. Oui, ça, c'est dangereux. Mais là, quand on fait le point sur le bilan, bon, bah... On a plus ou moins... perdu notre temps, on va dire. C'est plus ça qu'autre chose, en fait. C'est un peu... On a tourné un peu en rond. On a récupéré quelques trucs vite fait. Bon, c'est pas la grande folie. Mais voilà. Donc ouais, ça va. On va dire que c'est plutôt positif, au final. C'est là, hein, la sortie. C'est plus positif que négatif, ça va. Donc c'est une bonne chose. On a fait un nouvel arc aussi. Donc ça, c'est bien. On a récupéré pas mal de... On a récupéré pas mal aussi de... Comment ça s'appelle ? Pas de gland, parce que du coup, ça, on n'en a pas trouvé. On est à combien ? On est à 49-49. Pas de gland, parce qu'on n'en a pas trouvé. Apparemment, il n'y en a pas dans la vallée charmante. Mais on a récupéré pas mal de... Ah mince. Les écorces, là. Écorces. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas si mal. C'est good enough, j'ai envie de dire. Pas mal de champignons et tout, sympa. Donc ouais, ça va. Ah non. Sérieux? Tu crois encore que je m'arrête dans une grotte? Oh là là. Là, le temps qu'on arrive au barrage et qu'on passe de l'autre côté du barrage, on va avoir froid, nous. Faut peut-être aller se cacher dans la grotte. Tais-toi. Elle est où, la grotte? Et ça? Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est embêtant, parce que là, on va taper dans nos réserves de nourriture, et ça m'agace, en fait. J'aurais bien voulu ne pas taper dedans, justement. J'en ferai un peu plus de ça. Chaque fois, comme je dis toujours, buvez l'été. Hein. L'été, c'est le plus simple. Parce que là, on pourrait prendre des massettes, on pourrait prendre notre café et tout ça. Mais l'été, on en a tellement des reishi. Il y en a partout dans le monde. Donc, buvez ça. Abusez-en. C'est le mieux, en fait. Regardez, attention.
Tada! Fabrication de munitions 2. Ah, on était déjà 1? Je savais même pas. Je savais même pas qu'on était déjà 1, j'avais complètement zappé. Je vais voir un peu. Qualité de mission fabriquée 40%, 100% chance de récupérer un composant de munitions. Expert en raccommodage. Ça aussi, si on pouvait absolument écrire à chaque fois, genre à chaque endroit sur la carte, ce serait tellement bien. Hello. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse, on attend. Comment ça se passe là? Faut qu'on mange un peu plus. Attendez. On en a combien de ça? Encore 2. Ah, un truc que je pourrais faire, c'est boire ça, en boire un. Comme ça, on récupère un peu de vie. J'aurais pas dû boire le thé, c'est un peu bête. Faire gaffe au loup. On régène notre vie ou pas? Ouais, normalement oui, hein, mais... Oh, attends, je... Par là. Je crois, hein. Non. Si, c'est là. Ah, avec la tempête, on reconnaît plus les choses. On reconnaît vraiment plus les choses. J'ai un doute, hein. Je suis pas au bon endroit. Ah, ok, ok. Là, on est bon. Ok, ouais, donc il y a un autre endroit qui monte en fait avec une carcasse. C'est pas mal, ça c'est bon à savoir. C'est bête, j'ai pas dessiné, mais c'est bon à savoir, il y a un autre endroit comme ça. Ouais, là on est sur le chemin du barrage, là c'est bon. Putain, il m'a fait peur le... L'arbre qui bouge. Si c'est quoi ce truc? Genre un aigle géant qui nous attaque. Ah, c'est bon, on y est. Alors. Oh. Ah mais non, mais c'est une palette. Okay. Ils ont rajouté des choses ici? Non. Donc cette porte, on peut pas la prendre.
Ok, faire gaffe. Ok. Ok. Oh, doucement les lags là. Ok, c'est bon. Oups. J'ai appuyé sur la lampe. Avance. C'est... Non, c'est là. Ouf. Et on a faim aussi, on a absolument faim. On va en profiter. Il y avait une personne qui se plaignait du fait que l'inventaire se met pas à jour automatiquement. Enfin, à une sorte de lag. Et la personne, en fait, vu que il avait mangé un morceau de viande et qu'il l'avait fini, du coup, l'inventaire, en fait, a bougé. Du coup, hein, vous savez comment ça se fonctionne. Et le mec, il a mangé, du coup, de la viande crue, il est tombé malade et tout ça. Et il était vraiment très très dégoûté de ça parce que ça lui a coûté son run, je crois. Et le mec se plaignait de ça hein, dans le forum. Y a rien de nouveau, hein, on est d'accord. Hein. Et moi j'ai dit ouais, ça fait des années que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ça changera pas. Allez, on rentre à la maison, on finit notre épisode et ça sera ça. Donc ce que je vais faire, moi, entre-temps, entre maintenant et l'épisode prochain, je vais déjà aller récupérer de la viande et tout ça, me mettre plein, qu'on soit full vie, en fait. Et surtout, je vais devoir me vider l'inventaire au maximum, parce que c'est quoi, c'est 15 kilos, 20 kilos, je crois que c'est 15, hein, une batterie. Donc on va devoir se trimballer ça en fait. Donc ça va être vraiment très compliqué de se trimballer ça. Par contre j'espère qu'il y aura une batterie... une batterie à 1000 tonnes. S'il n'y a pas de batterie à 1000 tonnes, j'ai essayé de regarder mes épisodes, mais j'ai pas vu de moment où je regardais ce que j'avais laissé à 1000 tonnes. Faudrait que je revérifie. Mais s'il n'y a pas de batterie à 1000 tonnes, oh, ça va être la galère. Hein, pour. Bah, il faudra déjà en trouver une, deux, hein, et du coup, il faudra aller la chercher, la monter à 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est des cordes, hein, je vous rappelle. Hein. Il y a plein de cordes, hein, donc c'est la galère. Donc ouais, ça me fait un peu peur par contre. J'espère vraiment qu'il y a une batterie à 1000 tonnes. Là, c'est le seul truc qui va être extrêmement relou. C'est qu'il n'y ait pas de batterie à 1000 tonnes. Fais voir un peu. Ouais, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'on fait? On dort peut-être ici? Le temps que ça se calme un peu, peut-être. On dort au moins une heure. Ah oui, on a perdu une flèche. Ça, par contre, ça m'embête, ça. Ça, j'avoue que ça m'embête d'avoir perdu une flèche. J'avoue que ça, c'est très embêtant.
Faut juste que le temps se calme un peu et on rentre. On y voit quelque chose, ça peut le faire. Ouais, ça va, c'est bon, on y va. Je croyais que c'était un loup, ça. Genre là, les oreilles, les deux oreilles et la tête. De quel côté? On va au centre ou on va par le l'eau? J'aime bien. Ok. J'aime bien quand je rentre. Passer par le centre en fait, mais parce que c'est le plus direct, je crois, c'est le plus rapide, mais c'est le plus dangereux quand même. J'en sais rien. Là, il y a du vent. Il fait pas très froid par contre, ça c'est bien. Comme ça, on devrait pas prendre. Ouais, bon, on est obligé de passer par là. Pour éviter le vent. C'est bon, le vent s'est calmé. Parfait. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Rivière accès nord. Oh, on n'est jamais passé comme ça en fait. Plein de bois là. D'accord. On est un peu lourd. Ouais, non, mais j'irai récupérer mon bois. Parce que là, on est déjà très très lourd, donc ça va, c'est bon quoi. Faire attention au loup. On peut passer. On peut passer par les hauteurs, là, comme on fait toujours. Honnêtement, c'est un très bon chemin. Pour esquiver les loups sur le centre, là, c'est très très bien. Faites comme moi. Si vous avez des problèmes avec les loups. C'est pas très dangereux, on n'a pas besoin de faire des galipettes, rien. C'est pas un arbre à gland, ça? Non. D'avoir personne, ça va. Ok. Je crois qu'on a de la nourriture hein, au camp. J'entends des bruits un peu partout là. Là, on y est presque, on y est presque.
Oui, quand j'étais parti, on avait encore de la nourriture par terre. Donc on va prendre directement un steak de je sais pas quoi. Ouais, là par contre c'est du gland. On prendra un steak de je sais pas quoi, on le mange direct pour éviter de perdre notre bonus. Oh merde. C'est maintenant qu'on rentre que ça se calme. Ça c'est bien ça aussi. Oh, il y a un cerf qui galope. Non. Et ben on est rentré. On est finalement rentré. Et voilà. Voilà, très bien. Ce qui manquerait ici, c'est juste un endroit pour pêcher, en fait. Voilà. Voilà, on est nickel. On est rentré à la maison, tout va bien. Eh ben. Alors, on va prendre. Il est à combien notre arc 84? On va le mettre là. C'est un peu le bordel. Alors, deux arcs ici. Attendez. On va ranger un peu vite fait là. Enfin ranger, hein. Vite fait, hein. On a combien de kilos de. 4 kilos. Est-ce qu'on peut les mettre dans des. Non, je crois que j'ai quasiment plus de récipients en fait. Donc. Là, on a 20 bâtons boulot séché. On va mettre tous les boulots au même endroit. Ouais, très bien. Là, on va mettre ça. Ouais, c'est bon, ils sont bien placés. Très bien. Notre deuxième jerrycan. Des livres. Ah, déjà on a ça. C'est moi ou j'ai l'impression que la lumière est de moins en moins... Ah oui, non, ça va, il fait presque nuit, ça va. J'allais me plaindre encore de la lumière parce que honnêtement, je vois de moins en moins bien. Je me suis dit, ça, mais c'est quoi ce bordel? C'est moi ou... Tac, tac, tac. Ah, on pourra en faire des bombes, hein. Si jamais on décide d'en faire. Alors, ça, c'est bien. Après, qu'est-ce que je voulais poser? Ah oui, tout ce qui est électronique, du coup, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ce qui est bien. Parce qu'on a déjà remplacé les fusibles et l'électricité. Enfin, les câbles. Donc ça, c'est cool. On a plein de pots aussi, il faudrait que j'aille en farmer encore un peu, juste au cas où. On a plein de nourriture. Où est-ce qu'on avait laissé toute notre nourriture? Ah, c'était à l'autoroute côtière. L'autoroute côtière, on avait beaucoup, 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 beaucoup de nourriture, je me rappelle, ok. Ça, on va laisser ça là. On a un livre qu'il faut jeter. Maintenant, il est dans cette catégorie-là. On a du bois à déposer.
Qu'est-ce qui fait jour comparé à l'intérieur, quoi? Regardez-moi ça, quoi. Ça me rendra toujours fou, hein, le système de d'éclairage, là. Ça, c'est un truc que je vais peut-être vérifier, ça. Si je peux pas utiliser un mode d'éclairage. On a encore combien? 1, 2... Ah, ça va! Ça va, c'est cool. J'en ai pas mal d'avance. Un mode d'éclairage pour que l'intérieur soit un peu plus pratique, en fait. Que là, là c'est pas normal qu'il fasse aussi sombre que ça, en fait. Genre sans que la sauvegarde soit détruite. Enfin, soit corrompue, plutôt. Attendez, j'avais vu de la ferraille là. Là, on a quoi? Mettre la ferraille ici. On range, hein, et puis après on met fin à l'épisode. Hein, y a pas... Là, ça y est, on a fini notre petite aventure. Ça va être compliqué, hein, de se vider l'inventaire. Je vais être honnête, ça va être compliqué. Hop, nickel. Est-ce que à un endroit, j'ai mis des... Ouais. Hop. Faudrait que je fasse quelques flèches en plus. Qu'est-ce qu'on a là? Des cailloux et du charbon. Voilà, voilà. Là, on a quoi? On n'a pas beaucoup de Reishi ici. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je les avais tous sur moi, surtout. Ouh! Bien. Je pensais que ça allait être trop, en fait, mais non. On va en prendre 10. Ok. Ok, ok. Très bien. Ok. Pour le médical, on est bon. Pour le médical, on est bon. Bon, on voit plus rien, donc je vais... On va s'arrêter là, je finirai l'inventaire et tout ça. Parce que je voulais un peu vous montrer ce qu'on fait et tout ça pour se préparer, mais bon, ça sert à rien, on voit rien. On voit strictement rien, donc on va s'arrêter là. Alors, pour la prochaine fois, je vais devoir vraiment baisser mon poids. Donc, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous nos outils. Parce que nos outils sont très lourds, genre ça et tout ça. La lampe, est-ce qu'on en a besoin pour aller à la voie ferrée? Est-ce qu'on passe une grotte? Non. Hein. Non, on passe pas de grotte. On passe pas de grotte. On passe pas de grotte, donc ça va. Même si après, si on est de nuit, à la limite, on allumera une torche. Ou alors, on garde la lampe et on vire les torches. Ça, c'est du pareil un peu au même. Mais ouais, la scie, on l'enlève, ça, on l'enlève, ça, on l'enlève. Donc déjà, ça fait 1, 2, 3, quasiment 4 kilos en moins. On enlève le charbon. Bon, ça, il le faut. Des flèches, il nous en faut, parce que voilà. Ça nous ferait quoi? On serait à 38, peut-être. Ah, ça va être juste, hein. Ah, ça va être un peu juste. Mais ouais, je me préparerai. Je me préparerai le plus possible pour que on soit pas trop lourd et on ira récupérer donc la batterie. Je vais être honnête, ça devrait pas être très très compliqué. Hein. Je pense même pas qu'on ait... Le temps qu'on passe du lac Mystère, qu'on fasse Muskegmorn et la voie ferrée, honnêtement, je pense pas que ça va nous prendre un épisode. Hein. L'aller-retour, peut-être, à la limite. Peut-être l'aller-retour, à la limite. Mais je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça ira. Je pense que peut-être qu'on peut faire ça en une fois. Retourner à la Vallée Charmante, en fait. Ah, ça dépend du temps. Non, ça dépend du temps. Ça nous prendra sûrement deux épisodes. Ça nous prendra sûrement deux épisodes. Mais ouais, on fera ça donc la prochaine fois.
On ira récupérer notre batterie. Et du coup, donc on ira récupérer notre batterie et on ira du coup la mettre à l'antenne et tout ça. Donc ça sera notre prochaine. Je pensais que l'épisode d'aujourd'hui, là, il était un peu plus court, mais en fait, non. Désolé, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao!